Alors, bonsoir, bonjour, dépendant de quoi tu as je dis à nous pour aller entrer dans la session pour Excel et nous pour regarder, je dis à éditer Excel, là, ça veut dire interface of Excel. On a pu utiliser dans la session ça, version 2013 là, mais bon, sur 2016 là, c'est à peu près semblable. Et donc, on va suivre ensemble avec. Et là, on fait ouvrir l'application Excel là, mais on screen qui paraît devant. Sur la main gauche là, c'est à vraiment, je le dis dans la partie vert là, c'est un document qui est ouvert déjà. Bon. C'est pas, il n'a pas le considéré. Et si vous regardez en l'air, côté mouse là, passé là, on va voir que, il y a un template qui est suggéré dans le business, personal, budget, calendar, list. Mais, pour je ne veux dire, nous parlons ouvert un chiffrier qui est blanc, qui est à nu. Et ça, il est blank workbook. Donc, cliquez sur un blank workbook. Et c'est le Louis, c'est ça qui paraît devant nous, basically. Après, c'est ça qui paraît devant nous. Comme chiffrier. Et là-dedans, on va regarder. Il y a plusieurs parties, nous parlons, c'est identifier ensemble avec vous. Et on va suivre le mouvement et curseur, le mouvement mouse là qui est dans le même. Et on va voir, on a commencé par ça nous est dans la tête là. Ça nous est dans la tête là, où on link qui vient file, home, insert, formula, data, review. Ça nous est le menu. C'est ruban des menus. C'est barre des menus, la barre des menus. On sait comment ça nous est lié. Ça dit que chaque barre menu ça chaque module où est dans menu ça lorsque qui va dans sur home ou après li ouvert en bas en ruban c'est ruban c'est dans ruban il y a fonction son barre d'outils lié basically là-dedans il y a pile fonction et chaque fois on va cliquer sur yo là-bas on sous un sous-menu qui est censé contextuel pour menu que vous cliquez sur lien, vous cliquez sur data par exemple, ou après le lien, tout de vous cliquez sur le lien en fonction qui est attachée à lui-même ou bien l'autre outil qui est attachée à lui-même, ou après le paraître en bas. C'est ça nous relais. Nous gagnons la barre de menu et puis nous gagnons le ruban qui si c'est la barre d'outils. Si nous descendons plus bas, ou après, l'autre ligne qui vient des lettres, qui A, B, C, D, E, F, ainsi de suite. Et soit, les plus vers la droite, n'a pas une chance pour nous, le plus devant, ou après, bien A, A. Et ça veut dire, bien des colonnes qui, dans A, A. Et puis, l'autre, il veut plus devant, ou après, bien les trois lettres. Ça, il y aurait les colonnes. Par contre, façon, j'ai chiffre là, exactement. Moi, je crois, dans Excel, il y a plus de 16 000 colonnes. Non, chiffrier, l'autre, on chiffrier comme ça, il y a plus de 16 000 colonnes. Ça t'a relé, ça c'est effectivement nous relé li, comment, les colonnes, nous commençons par les lettres. As a matter of fact, nous y en avons fait un petit devant pour nous, on a l'autre boss, ça, juste dans la fin. Ok. Sous ta gardé, ma moto, exactement, ça qui gagne. Dernier colonne, là, y est le, ou après côté nous, highlight là. Ou après, il y a X, F, D. C'est la dernière colonne qui existait. Nous t'as qu'à voir combien lié, oui. C'est moi, si me fait compte blank, je vais regarder combien de colonnes il y a exactement. Et puis, il va le dire, non. Effectivement, nous avons 16384 colonnes qui existaient. Dans un chiffrier Excel. Bon, on va retourner dans Home. Nous go back. Et côté noté hier, pour nous aller dans le commencement côté de hier. Voilà. Et là, comme nos deux lettres représentent les colonnes, et nous avons les lignes qui là, même représentées par des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite. Les mêmes, ça représente, c'est la ligne, y est, l'autre c'est colonne. Et, on intersection par exemple, côté web, mais là, ou intersection, on ligne avec une colonne, c'est ça qui bon en cellule. Intersection, colonne I, par exemple, si nous mettons une couleur, notamment une couleur jaune, par exemple.
Et si m'ba ranger 10 là en couleur orange bleu, intersection ça là que m'a mettre en rouge. Pardon, m'a mettre en rouge. Ça intersection ça il en cellule. Cellule là, li vraiment celle qui si n'ta de ça, c'est unité de base qui vraiment dans Excel qu'on doit maîtriser. Unité de base à savoir, c'est là l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Ça te donne une cellule, et dans la cellule, ça, il y a un nom. Et si vous regardez là, à côté moi, mettez en bleu à gauche, net là, à côté de moi, mouse là, il y a là, QC là, il y a là. Ou après, non cellule là, écrit là-dedans. Là, par exemple, c'est non cellule là, commencé par lettre, la colonne, et puis il finit par le numéro qui est la ligne. Là, on a pour I, amen, c'est E10. E10. Ça veut dire, non, il commence par la colonne E. Et puis, en G10, ça veut dire E10. Après là, E10. Si je clique là, par exemple, après le marquer I2. Si je clique là, par exemple, après le marquer L5. Ça veut dire, colonne L. Et puis, ligne 5, rangée 5, si vous voulez. Donc, très important pour changer ça. On sait le, c'est rencontre, intersection, on colonne avec on rangée. Si on a regardé dans éditer Excel là toujours, li gen l'autre bagaille que nous doit qu'on est là dedans toujours. Et pour le moment, ça nous t'a même qu'on est nous est là-bas des menus, là-bas d'outils qui est le ruban, et nous voit la ligne qui représente les colonnes, et puis nous voit la verticale là, I mean, on tient en confusion, les lettres qui représentent les colonnes, et puis les numéros qui représentent les lignes. Qui ça nous cagé dans la couleur d'Excel là? Nous pas le font tigeant vers la droite. On va le transporter vers la droite tout petit. Ah, ok, good. N'après là, côté m'a cliqué là, qui m'a marqué ça, ça relé, c'est la barre de défilement. C'est lui-même qui permet de monter et descendre avec fichier. Et en bas d'eau, après, la barre de défilement vers la droite, ou bien vers la gauche. C'est deux ça, ou une barre de défilement qui est vers la droite. Et puis, on barre de défilement qui est en bas. Et, ou pas vraiment où est-ce en bas, m'a fait où elle est rapidement. Ok, good. Alright, to mettre là, pour nous faire où est-ce en bas, voilà, là. Quand il descend tout petit. Nous dit, la barre de défilement qui est en bas, quand on clique là, qui a déplacé avec fichier là. Et puis, nous démontrons ça là vers la droite là. Et puis, là, lui-même, si ça n'a rien, la barre d'état. Avec la barre d'état, c'est lui-même qui bat status, qui ça qui gagne en bas. Et si vous marquez là, vous pouvez marquer sheet 1. Sheet 1, c'est ça, relé page. Et comme si vous avez un classeur qui chiffre à devant, évidemment, classeur a une page. Et votre si signe plus ça là, si vous cliquez sur signe plus là, là, bon, on l'autre page encore. C'est-à-dire que, vous avez autant de pages, vous connaissez combien de milliers de pages il y a, vous avez un chiffre là pour vous, vous pouvez des pages pour vous-même. Et page, même j'ai un classeur, ou bien, on va déplacer page, on mettez au jour, on va aller savoir pour ça que marqué sheet 4 là. On va prendre, on va mettre, on va draguer, on va mettre le bord, sheet 2 là. Avec dit que on va déplacer page, j'en veux. On va, par exemple, on va mettre le place là, on va juste draguer, et puis on va mettre le bas. L'autre bagaille que nous besoin, qu'on est dans éditer ça, qu'on a regardé là, parce que c'est comme si on a dossier la fenêtre du travail, qu'on parle bien pour travailler avec lui tout le temps. L'autre bagaille, on va le connaître, pour, ou doit connaître tout dans, là, quand on déclic qui est allé avec nous, marqué, par exemple, A1, côté QCA, il a marqué A1. N'a pas, lui-même, ça lui relève, c'est ça lui les zones non. C'est lui-même qui prend le moto, qui non, cellule là. Et puis, devant, en état qui est plus avancé, on pourra le voir, il doit bailler plusieurs cellules non. Et là, non, on va le voir être tout. Et même, j'en dédié, c'est plus de 16 300 combien, colonnes qui gagne. N'a Excel tout, gagne, rangé, les lignes. Il y a un pile là-dedans et tout. En bas, je vais regarder, il y a 1,048,574 rangées qui ont gagné. Donc, si vous arrivez à remplir tout et classer ça avec documents, il y a plus de 1 million de lignes. 1 million de, c'est-à-dire, rentrées. Donc, et encore, pour arriver à faire ça, ça va dépendre de ce soit fait et de qui capacité est ce computer qui a vraiment porté fichier ça. Bon, la phase plus avancée, on va voir une façon de compresser,
et pour montrer vraiment qu'on caresse vraiment et travaille avec des fichiers qui sont très grands. Bon, l'autre bagage nous t'aimer voir avant aujourd'hui je dis hein. Après côté marqué FX là, ça là, bon, nous pas vraiment fin avec lui, nous cliquer sur lui. Ça photo qui se a là, il est non pas. Lele la barre des formules. La barre des formules qui permet vraiment et c'est là l'autre par exemple ou taper dans Excel. Ils vont taper dans Excel par exemple juste taper par exemple HRTI, bon whatever, n'importe ça me taper là, ou après elle paraît si me cliquer sur lui, ou après elle paraît dans la barre des formules. N'importe de vous taper dans Excel, n'importe ça taper là, il prend le comme caractère. Ouais, il paraît là. Mais qui ça qui nous besoin songer tout en l'LA et là, par exemple, là, besoin d'Excel, parce que Excel, comme nous disons, chiffrier, son tableur, c'est plus pour faire calcul qu'on utilise Excel. Donc, qui j'en dis Excel, ou besoin de faire calcul, ou commencer, par exemple, mettez 5, dans le rangé ça, mettez 3, mettez 4, par exemple, là. Si j'ai besoin d'Excel pour l'additionner, ça m'a fait, m'a commencé pour le signe égal. Ou après, égal, là, pareil, dans la barre des formules. Me dit égal et puis moi cliquer sur ça sur 5 là et puis moi plus ajouter plus et puis me cliquer sur 4 là et puis l'aime peser sur dans clavier moi sur enter il bon total là c'est 9 et si vous regardez dans barre de formule en l'air après égal E6 plus E7 c'est très intéressant pour voir comment te dou ça à côté 5 là il y a non cellule là c'est E6 côté 4 là et là dans cellule là c'est E7 soit aller dans formule dans là qu'on y a qui paraît dans barre des formules là qui sont ouais il va marquer 5 plus 4 il marque location E6 là plus E6 plus E7 plus E7 pardon et il bord total là qui 9 si vous regardez bien une caractéristique qui va gagner Excel log cliquez sur ça c'est location vraiment bas haut location et puis et ça veut dire E6 là c'est comme si m'dadou l'offre en fonction par exemple on dit par exemple ma connaît f(x) par exemple non, égal bon non l'op tel comme ça vraiment là c'est compliqué si on dit a égal ma b plus c par exemple ah ouais c'est ça t'a voulu dire ça veut dire là on dit a qui est à 9 là il est égal à b plus c. Ça veut dire. Ça veut dire A et B et C, ce sont des inconnus. Si vous voulez remplacer par n'importe lettre, par exemple 7, par exemple, là, toujours bon total, en total. Mais vous remplacez par n'importe un chiffre, là, toujours bon en total. So, ça veut dire que ça qui est important dans Excel, c'est pas son écrit vraiment, mais c'est qui location. Donc, c'est ça fait de nous. Notre cellule-là est très important. Très important pour qu'on ait en considération. Pour nous comprendre exactement leur travail avec Excel, c'est non fiche, c'est non location, non cellule là, qui est vraiment important. Pas oublier ça. Là, non, éditer Excel, on va le marquer. D'abord, c'est la barre de menu qui est important. La barre, le ruban, qui est vraiment associé à la barre de menu, du contextuel. La barre de formule, qui est important. La cellule, qui est l'unité de base pour travailler avec Excel, qui est très important, et c'est genre de ce mot n'a pas plus de chance pour faire addition au coulo. Ou après, c'est location qui est important. Donc, qu'est-ce que c'est très important pour nous avancer dans la session? Je dis à nous, vous voulez identifier avec vous l'interface Excel, là, qui est l'éditeur d'Excel, et montrer comment pour naviguer, nous avons une chance pour naviguer là-dedans, mais je voulais vous faire connaissance avec lui. Ah, nous avons ce screen-là, en résumé de ça, ce que je veux dire, à savoir, interface Excel là, éditeur Excel là. Donc, de là, n'a pas la vidéo. Comme nous déjà dit, bon, on like. Et subscribe tout channel pour nous continuer à porter et voir contenu pour vous-même. Et sur ML, si vous connaissez la fête communauté, comme nous dit, bon, on like, et puis subscribe, et cliquez sur cloche là, pour l'envier de, nos vidéos, pour qu'il y ait une notification. Donc, c'est là, la vidéo, et pas dans les photos de la vidéo, non, où il y a un monde là. Salut, un bonsoir, bonne journée. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!